Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a reçu des superbes planches pour le troisième challenge. Donc encore bravo parce que vous avez relevé le défi, vous tenez sur la longueur. On est déjà au quatrième défi là aujourd'hui. Je suis trop contente de voir que ça vous plaît et que ça vous inspire. Donc pour ce nouveau challenge, je vais vous proposer de réaliser un accordéon en papier à la maison. Comme ça, c'est une autre façon de raconter une histoire. Au lieu de faire une planche avec différentes cases, là, cette fois-ci, on va être sur plusieurs morceaux de papier qu'on colle les uns aux autres et qui vont raconter une histoire dans un autre format. Donc, ça donne ça, un accordéon. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc là, moi, j'ai fait vraiment beaucoup de pages parce que ça m'amusait de les coller les unes après les autres. Et vous voyez, ça se déplie en fait à l'infini. Et ça, c'est vraiment trop cool. On peut faire une histoire aussi longue qu'on veut. Ça peut être même interminable. Donc voilà, ça se déplie aussi comme ça. C'est assez cool. Donc voilà, il ne faut pas grand-chose pour réaliser ce truc-là. Je vais vous expliquer comment on fait. Vous allez voir à la maison, c'est super simple. Vous allez avoir besoin d'un morceau de scotch. Donc vous pouvez prendre du scotch de couleur. Bon voilà, moi j'aime bien avoir des scotch de toutes les couleurs, donc j'ai plein de scotch différents. Vous pouvez aussi prendre du scotch transparent. De toute façon, ça ne se verra pas, ça sera derrière. Et vous aurez besoin d'une feuille blanche, si possible un peu épaisse, parce que c'est mieux. Voilà, mais sinon vous pouvez utiliser une feuille de papier standard, il n'y a pas de souci.